Mon métier consiste à évaluer ce que pourrait être la demande en termes de trafic aérien dans les 20 prochaines années et aussi d'évaluer les solutions que l'on pourrait apporter à ce marché en termes de nouveaux produits pour satisfaire la demande. Chez Airbus, je suis dans le département des ressources humaines. J'ai intégré donc une équipe de data scientists et je suis dans la mission People Analytics qui gère toutes les données humaines d'Airbus, de la protection des données jusqu'à l'exploitation des données humaines. I do data pipelines to receive and understand data in text. And I build some predictive models to analyze the text and to predict what are the subject about this text. And finally, to industrialize them and to build dashboards so that management can make a decision. Alors, les principales compétences que j'ai acquises à TSE sont la programmation en premier lieu, et puis tout ce qui est théorie statistique, parce que je pense qu'il est très important de connaître la théorie pour pouvoir mettre en œuvre tous les algorithmes de data science que j'utilise aujourd'hui. Tout d'abord des compétences analytiques, des compétences vraiment de statistique, modélisation, de codage. Il y a aussi ce que m'a apporté la TSE, c'est aussi cette réflexion sur les aspects plus économiques. Évidemment, on regarde de près les enjeux géopolitiques, puisque nos marchés en dépendent. Donc on a à la fois ces aspects très analytiques et des aspects de réflexion sur la macroéconomie. To be a successful data scientist in Airbus, we expect the minimum strong programming skills in R or in Python, strong knowledge of statistics and econometrics concepts, an interest in machine learning and deep learning technologies. Ce qu'on attend en premier lieu des diplômés de TSE, c'est leur capacité d'analyse. Vraiment, on attend qu'ils soient opérationnels de ce point de vue-là, et ils le sont. Et on attend d'eux un œil critique sur nos façons de fonctionner et sur nos process. So my advice would be, you know, to try to differentiate yourself by thinking of how you can add value for that particular position that you're applying. That means knowing about the job, thinking of how your knowledge and your skills can help bridge the gap between what we need and what you can offer. Si j'ai un conseil à donner, c'est ne pas se décourager, postuler, oser et être le plus naturel possible.